êtes à 15 km de l'aéroport. Autorisation d'atterrir. Entendu. On se verra dans 10 minutes. Je serai pile à l'heure pour la réunion avec la direction, après tout. Tu avais raison pour le vent arrière. L'aéroport devrait utiliser ton sixième sens pour la météo. J'en toucherai un... J'ai un problème. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il vole tout seul. J'ai plus rien! Attention! J'essaie ce que je peux, mais y a plus rien qui répond! Je crois que ça devrait suffire. Icarus terminé. Ça marche. C'est revenu, j'ai des commandes. Juliette Echo, je vais me poser. Bien reçu, Phil. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-haut? La prochaine fois, nous garderons le contrôle. Icarus. Le fax est arrivé immédiatement après l'incident. La prochaine fois, nous garderons le contrôle, Icarus. Un saboteur qui a une réminiscence de ses études de grec. Vous croyez que c'était un sabotage? Ça, c'est votre boulot de le savoir. J'ai demandé à une équipe de fouiller l'appareil de fond en comble, résultat nul. Un pilote automatique ne décide pas tout seul de s'écraser, c'est pas possible. Il faut savoir si ça vient de là. Est-ce que vous l'avez identifié? Non, aucune trace. Mais vous enregistrez bien les appels? Bien sûr. Je peux trouver le signal du fax et essayer d'identifier l'expéditeur. Ah, vous êtes là. Ce sont vos spécialistes? Oui. Ils vont avoir besoin de laisser passer. Bien sûr. Je vous présente Nigel Todd, qui est responsable de la sécurité de l'aéroport. Nigel, Nick Beckett et son équipe. J'espère que vous savez ce que vous faites. Il aurait pu avoir un grave accident ce matin. Oui, je sais. J'ai failli être tué. Je ne parlais pas que de vous, Madame Langford. Vous imaginez si l'avion s'était écrasé sur l'école ou sur le périphérique? Ils auront besoin de votre coopération. Bien sûr, il faudra ouvrir une enquête. Il y a sûrement une explication des plus logiques pour tout ça. Quoi, une erreur de pilotage? Je connais Phil depuis des années, il a les nerfs solides. Ni une erreur humaine, ni une défaillance mécanique ne peuvent expliquer le fax que vous avez reçu. Exact. Quelqu'un savait qu'il y aurait un problème et quelqu'un l'a créé. Qui est ce type qu'on reconduit à la sortie? Bon, c'est un passionné de tout ce qui vole. Il m'a l'air un peu âgé pour jouer à ça, non? Kirby, c'est un pot de colle. Il s'intéresse toujours à 10 000 détails. Il pose toutes sortes de questions. Il rêve de devenir pilote un jour. Avant-hier, il a même réussi à entrer dans Airside. Je l'ai trouvé qui furetait près des hangars. Tiens donc. Ce serait bien d'avoir une conversation avec ce Kirby. Il n'a pas de raison de vous vouloir du mal, par hasard? Vous pensez que ce qui est arrivé pourrait être une tentative de meurtre? On ne peut pas négliger cette éventualité. J'ai le signal du fax, ça y est. Et maintenant? Lui. Pas bavarder avec lui. Pourquoi moi? C'est pas mon type. L'avion a été placé en lieu sûr.
Et je sais que personne n'est entré ici depuis la fin de la fouille de la sécurité. Une idée? Ça peut être un problème de matériel, peut-être un virus. Ou peut-être une interférence radio. Ça peut être une sorte de brouillage oui. qui affolerait le système de bord. Oui. Mais qui est-ce? Hey! Hey! Je croyais que l'appareil était placé en lieu sûr. Moi aussi? Quelqu'un avait la ferme intention de me faire une lobotomie. Nous ne sommes pas les bienvenus. Pourquoi, ça t'étonne? Tu as le temps de voir qui c'était? Bien sûr que non. La sécurité le récupérera sans problème. Il faut absolument qu'on sache pour l'appareil. Vous pensez que ça peut être un problème d'ordinateur? C'est une possibilité, oui. Vous devriez en parler à Quentin Elverson. Si lui ne peut pas vous renseigner sur le problème, personne d'autre ne pourra le faire. C'est lui qui a inventé le système de navigation NAVCOM. Le NAVCOM? On dit que c'est le fin du fin. C'est le cas, et cet appareil en est équipé. Et un coup de chance, il habite dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. La routine. On a essayé de me tuer une fois de plus. C'est Richard Wiman, mon directeur technique. Bonjour. Richard, vous avez vu quelqu'un? Non. Non, j'étais dans le labo. Vous avez trouvé des pièces défectueuses? Mais tout est parfait. Pendant que Ross est avec Kirby, je vais m'occuper d'Elverson et voir s'il a pu avoir... Elverson? Mais il n'a rien à voir avec tout ça. Personne n'a dit le contraire. Nous recherchons des informations, c'est tout. C'est un excentrique. Vous perdez votre temps, c'est absurde. Monsieur Elverson? Non, non, c'est impossible. Mon NAVCOM ne peut pas connaître de défaillance. Vous allez découvrir que ça vient du pilote. Le cerveau humain n'arrive pas à intégrer les informations, c'est tout. Le pilote est hors de cause. Le matériel est hors de cause. C'est forcément l'informatique. On a procédé à des tests et à des tests. Et tout le monde a dû reconnaître que c'était un travail de génie. Je n'ai jamais touché de droit d'auteur à propos. Ça ne pourrait pas être une espèce de virus? Mes logiciels ont incorporé une protection antivirus des plus rigoureuses. Et ça, j'ai pu le prouver. Mes programmes ont gagné des Oscars. Ils sont recommandés partout. Oui. Et pourtant, il y a eu un problème à bord. Mais ça ne vient pas des programmes. Tenez, voilà une copie. Comparez-le avec celui qui est dans votre appareil. Vous ne trouverez aucune différence, aucun pépin. Mon NAVCOM a véritablement révolutionné l'aviation. On n'a plus besoin de pilotes, c'est terminé tout ça. Les avions peuvent voler tout seuls. Bonjour, monsieur Kirby. Je me présente, Shelley King. Je fais un reportage sur l'influence que les aéroports peuvent avoir sur l'économie locale. Madame Langford m'a donné votre nom. Est-ce que vous pourriez me consacrer quelques minutes? Superbe, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, je suis plutôt fier qu'il y ait eu des Kirby sur cette terre depuis l'invasion des Normands. Vous avez bien raison. Mais entre vous et moi, j'avoue que l'agriculture ne me passionne pas beaucoup. Vous préférez l'aviation? Ah oui. Je suppose qu'on peut me traiter d'observateur d'avion, mais je préfère l'expression admirateur de tout ce qui vole. Et c'est pour ça que vous étiez à l'aéroport tout à l'heure? Oui, oui, j'aime bien observer les avions qui décollent ou bien qui atterrissent. Vous me montrerez ce que vous avez l'intention d'écrire? Oui, bien sûr. Parce que la dernière fois que j'ai donné une interview à la presse,
On m'a fait passer pour une espèce de vieil étudiant un peu demeuré. Vous imaginez ce que vous devez ressentir en pilotant un de ces appareils? Vous contrôlez le destin d'une centaine de passagers. Vous m'avez dit que vous travaillez pour quel journal? Non, excusez-moi. Excuse-moi, mais je suis avec une journaliste. Monsieur Kirby? Monsieur Kirby? Il était peut-être à moitié débile, mais il ne méritait pas de mourir. Comment a-t-il pu être impliqué dans une histoire pareille? Regarde ça. C'est le signal du fax reçu par l'aéroport. Tu vois? Regarde maintenant. Voilà le fax que j'ai envoyé de chez Kirby. Pour moi, c'est suffisant. Je n'arrive pas à croire que Kirby puisse être mêlé à tout ça. Il est possible qu'on soit servi de lui. Possible que le fax soit simplement un écran de fumée. Alors qui l'a tué? Celui qui a essayé de m'éliminer. Icarus. Qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone interdite ici. Et c'est quoi ça? Des micro-ondes et des radars UHF. Et vous avez une autorisation pour faire ça? Madame Langford nous a demandé de faire ce qui était nécessaire pour éclaircir cette histoire. Et il me semble que c'est elle qui dirige ici. Oui, bien sûr. Parfait. Est-ce que Wiman a été mis au courant? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mayday, un appel de Malaga. Ils nous signalent qu'ils ont complètement perdu le contrôle des commandes de l'appareil. Passez sur manuel. Hôtel Lima, bien reçu. Confirmation de pilote automatique débranché. Mais ça ne fait aucune différence. On n'a aucun contrôle. Je répète, aucun contrôle. Attendez, Hôtel Lima. 6, 4, 7. Vous allez procéder à un atterrissage d'urgence. Nous vous avons dégagé l'espace aérien. Il y en a partout. Et comment peut-on atterrir? On ne peut rien faire du tout. Et on prend de l'altitude! Allô, c'est votre commandant qui vous parle. Vous avez dû remarquer que l'appareil effectuait quelques manœuvres curieuses. C'est dû à une défaillance momentanée de certains systèmes. Nous faisons de notre mieux pour y remédier. Quel système de navigation y a-t-il à bord de cet appareil? Le dernier cri. Quoi? Un des 9 tomes d'Alverson? Les ordinateurs supérieurs aux êtres humains? Probablement. Pourquoi? Veuillez
veuillez prêter particulièrement attention à ce que vous dira le personnel de bord et suivez attentivement les instructions. Tenez bien vos chevilles, gardez la tête baissée jusqu'à l'arrêt de l'appareil. Tenez bien vos chevilles, gardez la tête baissée jusqu'à l'arrêt de l'appareil. Tenez bien vos chevilles. Hôtel Lima, vous êtes trop bas, je répète, trop bas. Monte. Monte. Prenons notre chien. Programme terminé. Ça y est, je l'ai, ça y est, il répond. Ici Hôtel Lima, 647. Nous avons le contrôle. Nous avons le contrôle. Nous nous préparons à atterrir. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Regarde ça. Je veux 5 millions de livres avant 8 heures demain matin. Icarus. Toujours une erreur du pilote, sans doute. C'est vraiment incroyable! Il y en a dans tout l'aéroport. On peut remonter à la source? C'est un système informatique local. Oui, mais c'est aussi sur Internet. Fantastique. Donc n'importe qui, avec un modem et un peu de patience, a pu envoyer ceci. Oh. Bon, je vais prendre les dispositions pour réunir la somme. Le gouvernement a toujours stipulé aucun paiement de rançon. Et dans ce cas, quel choix avons-nous? Appelons des professionnels. Appelez-moi l'équipe de Carter NAST et éjectez-moi ces amateurs. Ce sont leurs fours à micro-ondes qui semblent créer tous ces problèmes. Ne l'écoutez pas, Madame Langford. Pour ce qu'il en sait, ça pourrait être la pile de sa montre. Je n'aime pas ça, Madame Langford. En tant que chef de la sécurité, je ne veux plus les voir dans l'aéroport. Très bien, si vous insistez, Nigel. Je suis désolée, Beckett. Je suis dans mon bureau, si vous avez besoin de moi. Madame Langford, il faut que vous nous fassiez confiance. On peut résoudre ce problème sans que vous ayez à payer la rançon. Ces laissez-passer ont un code horaire, n'est-ce pas? Valide jusqu'à minuit. Oui. Laissez-les nous, s'il vous plaît. On a encore 8 heures pour aller où on veut. Si on n'a pas la réponse d'ici là, vous nous jetterez dehors. N'oubliez pas, nous n'avons jamais eu cette conversation. Quelle conversation? Allez, venez, il faut se secouer. Todd a dû annuler les laissez-passer. Il n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Combien de temps pour forcer la serrure? Ça demandera une ou deux semaines de travail. Une ou deux semaines? Garde le moral. Salut. Les caméras? Je les ai dirigées dans l'autre sens. Où est Ed? Lui? Oh. Elle court les deux semaines. Je voulais vous impressionner. Allez, entrez. Je vais commencer par le logiciel d'Elverson. Nous, on va s'occuper de l'extérieur. Rien à signaler jusqu'à présent. Des résultats de votre côté? Non. Non, rien du tout. Ed? Non, rien du tout.
enfants. On dirait qu'on a de la compagnie. Je vais espérer de plus jamais vous revoir. Non, très franchement, c'est réciproque. Où est la fille ? Elle n'a jamais été folle des entrées par effraction. Alors, on l'a laissée à la maison, elle prépare le dîner. D'ailleurs, faut qu'on se dépêche, on va être en retard. C'est pas grave, j'avais pas faim. Allons-y. Je ne vois pas pourquoi vous vous méfiez tellement de nous. On n'était pas dans le secteur quand le premier avion a piqué son coup de sang. Je suppose que vous nous prenez pour Icarus. On vous avait dit de quitter l'aéroport et vous êtes là. Et en plus, vous avez forcé une porte verrouillée. Nous sommes là pour vous aider. Vous ah oui. Et nous aurons bientôt des réponses. Beckett ? Où est-ce que vous êtes ? C'est Ross. Ed ? Beckett ? Où êtes-vous ? Vous m'entendez ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Beckett ? Les moteurs de l'avion se sont mis en route tout seuls. Début séquence Alpha 2. Oh non. Comment je fais pour l'arrêter ? Regarde le tableau de bord ! Tu dois débrancher le pilote automatique ! Et il est caché où, ton pilote automatique ? Juste en dessous des commandes de l'aileron. Enfin, je crois, c'est sur la gauche des gaz. Juste en dessous des... Tu parles de la manette où il y a écrit autopilote, peut-être ? Désolé, il ne se passe rien du tout. Tu n'aurais pas une autre idée ? Hangar 10. Un avion se déplace sans autorisation préalable. Alerte maximale. Tous les services d'urgence en alerte rouge. Lima 647, vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Je répète, vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Je le sais. Ça, je le sais.
essayer d'ouvrir une des portes de secours par l'extérieur. J'en sais trop rien. C'est bien la première fois qu'on me demande de livrer 5 millions de livres à 3 heures du matin. Vous pouvez essayer de resserrer? Bien sûr. C'est lui. Il tourne à 12 000 pieds. Ed. Ils ont établi un plan de vol pour l'avion. Il tourne sur un rayon de 10 000. Autrement dit, le centre devrait se trouver environ ici. Un petit village appelé Unstead. Et d'une certaine manière, ne me demandez pas laquelle, mais quelqu'un pilote l'appareil depuis le sol. Enfin, c'est impossible. C'est la seule explication. Il y a quelque chose à bord qui reçoit un signal de contrôle. Une puce. Je croyais que M. Beckett devait partir. Un membre de leur équipe est dans cet appareil, Nigel. Ils doivent rester. Allons. Vous êtes relevé de vos fonctions, Nigel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut la faire redescendre et piéger le maître chanteur. Vous avancez lentement, mais sûrement. Je vous conseille de vous calmer. Bon. Très bien. Les billets sont arrivés. Vous n'allez pas payer? Comment vous allez l'expliquer au bureau? Payer la rançon est peut-être le seul espoir de la sauver. Là où elle se trouve, il n'y a qu'elle qui puisse faire quelque chose. Ross, écoute-moi. Il doit certainement y avoir un récepteur à bord. Oui, je m'en doutais. Je voudrais bien le trouver. Et? Je n'arrive pas à le trouver. Il y en a forcément un. Bon, écoute, imagine que tu essaies de prendre le contrôle du système de navigation. Où placerais-tu cette puce? J'en sais fichtrement rien. Oui, moi, en ce qui me concerne, les avions ne sont que des bars volants. Où on prend un verre ou deux en allant vers un coin paradisiaque. C'est que tu es drôle. T'as peut-être pas assez de carburant. Oh, ça va, merci. C'était pas la peine de me faire ce genre de numéro. Y a pas de siège éjectable à bord de ces engins? Non, et ils n'ont pas de parachute non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de problème. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on disait pour le Titanic. À eux, au moins, ils avaient des canots de sauvetage. Il faut éviter les icebergs. Eh ouais. Ross? Non, attends. Le pilote automatique n'est qu'un simple ordinateur. Et on a accès aux ordinateurs, on est bien d'accord? Via les relais d'arrivée. Monsieur Icarus. Je vous tiens. J'ai trouvé une puce. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on débranche la puce. Pourquoi Ross s'est piloté? Il faut qu'on l'aide à descendre. Quel est le verdict? Est-ce que je l'enlève? Oui. Et quand ça sera fait, accroche-toi au manche à balai et essaie de garder l'avion stable. D'accord. On y va.
l'avion plonge. La puissance, remets la puissance en place. Je voudrais bien, mais je la trouve plus. Regarde ça, elle perd beaucoup trop d'altitude. Remontez. 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 Elle n'arrive pas à le stabiliser. Il reprend de l'altitude. Celui qui avait le contrôle vient de le récupérer. Nous voilà revenus à la case départ. D'accord, d'accord. On peut reprendre par l'autre bout. Si on peut trouver l'émetteur, on peut trouver le système de contrôle et on pourra la ramener bien gentiment. En supposant que vous trouviez cet émetteur. On a un autre message du maître chanteur, d'autres détails concernant la livraison. Où est-ce qu'ils la veulent ? Au Moltrap. Le Moltrap ? Oui, oui, c'est le nom d'un pub. Probablement le premier endroit qui leur est venu en tête. Ils insistent aussi pour que ce soit quelqu'un de l'aéroport qui apporte l'argent. Je m'en charge. Non, non, ça peut être très dangereux. C'est moi qui irai. D'accord, mais je vais avec vous. Non, je ne crois pas, monsieur Beckett. Il vaudrait mieux que j'accompagne monsieur Wiman. Très bien, d'accord. Mais je vais préparer un sac pour les billets. Un sac qu'on puisse suivre. Ed, il faut trouver l'émetteur. Roche, tu m'entends ? 5 sur 5. À propos du système de contrôle, t'as pas une idée de la fréquence qui est utilisée ? Essaye autour de 1,40, 1,50 MHz. Oui. Oui, je crois, attends. Ça y est, je crois que j'ai quelque chose. Oui, c'est ça, j'ai quelque chose autour de 1,49. C'est très faible. Ed, le soleil se lève. J'espère que je verrai se lever encore plusieurs fois. Pas de panique, on va te ramener. Le micro se trouve dans une des serrures. L'émetteur et la batterie sont dans la poignée. Et l'antenne autour de la mallette. Bon, c'est à peu près impossible à détecter. Mais si jamais ça ne marchait pas... Je m'en occupe. Vous voulez vraiment aller au rendez-vous ? Je crois que c'est plus prudent d'être deux. Vous ne voulez quand même pas disparaître avec cette mallette ? Ed ? Je ne veux pas t'agacer, mais si cette jauge fonctionne comme celle qu'il y a dans une voiture, j'ai intérêt à trouver un poste à essence rapidement. Je fais tout ce que je peux. Ça me rappelle quand j'étais à l'armée. On attaque à l'aube. Oui, c'est vrai. Je suppose que les seules émotions que vous avez, c'est à votre cap de pilotage. Oui, je m'y amuse bien. Des vacances rêvées pour homme d'affaires. Ça a l'air d'être là. Il n'y a pas grand monde.
Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je vais jeter un œil. Non, je crois qu'il vaut mieux rester ensemble. Quoi? Vous avez peur? Y'a personne! Détendez-vous un peu, voyons! On est seul, Richard! Hé! Hey, je n'ai vraiment plus beaucoup de temps! Accroche-toi et pas de panique! T'inquiète pas, je ne sortirai pas prendre l'air! Ah, c'est vous. J'ai cru qu'un problème s'était posé. Où étiez-vous passé? J'ai eu quelques difficultés à régler. Quelques secondes de plus et l'appareil se serait écrasé sur le village. Et alors? Vous en prie. Non! Il faut que je le pose. Je veux que le monde découvre ce dont mon AFCOM est vraiment capable, vous comprenez? Pourquoi? Ils nous ont payés. Mais il y a toujours cette pauvre fille qui est dans l'avion. Il faut la ramener sur Terre. On n'a pas le temps de la ramener, il faut qu'on file tout de suite. Non! Je suis désolé, Wiman. Je ne veux pas d'autre mort sur la conscience. Il fallait que je tue Kirby. Pourquoi? Il devait simplement nous servir d'appât, c'est tout. Kirby était fou. C'était pour lui une chance de pouvoir s'amuser avec de grands jouets. Quand j'ai compris qu'il pouvait remonter à la source du fax, il devait mourir. Avouez que 2,5 millions, ça devrait calmer votre conscience. Boss, le signal devient plus fort. Dépêche-toi. Il ne me reste plus grand-chose comme carburant. Essayez donc de comprendre, il ne s'agit pas seulement d'argent. Je veux que ces idiots se rendent compte du fabuleux potentiel de mon AFCOM. Des appareils sans pilote à bord. Il n'y aura plus d'erreur humaine. Vous êtes encore plus fou que Kirby. Donnez-moi 5 minutes pour faire descendre cette fille. Comme vous voudrez. Ross, ça y est, j'approche. Wiman ? Ça, c'est pas croyable. Il est éliminé. Il a tué Todd et il a le pognon. Il a balancé la mallette avec l'émetteur. Mais j'avais placé une puce au milieu des billets. Et c'est elle que je suis en train de suivre. Je crois que je l'ai, ça y est. Ouf. Il se dirige vers un club de pilotage. Ça vous paraît plausible? À Stapleford? Ah oui, il en est membre. Parfait. Ross, ne t'inquiète plus. Ça y est, je l'ai trouvé. Quoi? Je viens de trouver l'émetteur et les manettes de contrôle. Ah, t'aurais pu te presser un peu. Il y a juste un petit problème.
La seule personne qui sache comment faire fonctionner tout ça est morte. Débrouille-toi! C'est toi le pilote, alors fais-moi descendre. Excuse-moi. Attends une seconde. Je pilote des avions, pas des ordinateurs. Je sais, oui. L'informatique, c'est mon domaine. En fait, je devrais plutôt être là-haut et toi en bas. On devrait inverser les places. Ça sera trop facile. En réalité, je pilote des appareils bien plus petits que ça en général. Et ça peut paraître curieux, mais j'aimerais mieux être dans le cockpit. C'est un ordinateur banal, Ed. C'est comme un simulateur. Ah oui. Et comment ils pouvaient contrôler l'avion avec ça? Oh non, je ne sais pas me servir de cette chose. Ed! Tu pilotes! Tu pilotes. J'ai presque rien touché. Essaie à nouveau, ne me laisse pas tomber! Très bien. J'ai l'impression que notre génie a manifestement reproduit le tableau de bord de l'avion ici. Les contrôles sont graphiques. Bien, alors utilise la souris pour faire fonctionner les commandes. Pardon? Ah oui, la petite bête avec une queue. Attention, je vais essayer quelque chose. Accroche-toi bien. Tu devrais commencer à descendre. Oh, ça marche. Oui. Oui, ça je sais. Ça c'était facile, mais... l'atterrissage ne va pas être une partie de plaisir. Ça y est, Ross, t'es à peu près à 10 km de l'aéroport. Tu devrais apercevoir la piste d'atterrissage. Hôtel Lima 647, Ross, n'est-ce pas? Répondez, s'il vous plaît. Allô? On vous a sur le radar. Votre approche paraît bonne. Les équipes de secours vous attendent de pied ferme. Bien. C'est rassurant. Je la vois. Je vois la piste d'atterrissage. Bon. Très bien. On y va. L'approche est bonne. Faut que j'inverse la poussée. Où est la rétro-poussée? Il y a quelque chose sur l'écran que t'as pas encore essayé? Non. Si. Oui, il y a deux boîtes au bas de l'écran, mais l'une dit en vol et l'autre dit au sol. Ed, je suis en vol, je te signale! Essaye au sol! J'adore les souris! Bon. Bon vol? Oui. Les hôtesses étaient excessivement sympathiques. Est-ce que tu sais où est Beckett? Il dort?
J'ai l'impression que M. Wyman a perdu le contrôle de la situation. Commandant Ross, vous avez besoin de prendre... Je n'en reviens pas. Pendant toutes ces années, Wyman a été un employé loyal, alors qu'il ne pensait qu'à monter ce coup. La cupidité est un vilain défaut. Oh, ça me fait penser. On a trouvé ceci en récupérant les billets. Ah. C'est à vous, je suppose. N'importe quel idiot peut mettre une puce dans une mallette. Un émetteur miniaturisé utilisant la trame métallique du billet comme antenne. C'est très intéressant, Beckett. Merci encore à vous tous. Et rappelez-vous, chaque fois que vous voudrez voyager en avion, je vous ferai des prix imbattables. Ah non, merci. Sans vous vexer, je pense que je vais préférer voyager en voiture pendant un bout de temps. Alors ça, c'est dommage. Je viens d'investir dans un fantastique cadeau pour toi. Des cours de pilotage.